Salut les jardiniers, on se retrouve aujourd'hui avec un temps plus maussade que ces derniers jours et surtout nettement plus froid. Mais bon, on va faire avec et quand même travailler un petit peu au jardin parce que les lilas sont en fleurs et c'est le signal qu'on attend chaque année pour la plantation des pommes de terre. Donc les autres années, moi j'avais planté mes pommes de terre de façon on va dire traditionnelle, en les enterrant et en les butant. Mais comme je suis pas fan du travail du sol, j'ai décidé cette année de tester la technique des pommes de terre sur gazon. Alors pour ça, j'avais préparé quelques pommes de terre germées, bien sûr. Hein, donc c'est la variété Franceline, c'est des pommes de terre roses à chair ferme. Elles ont déjà germé, hein, elles sont prêtes à être plantées. Et hier, j'ai préparé l'endroit où je voulais les planter en coupant les herbes hautes qu'il y avait à cet endroit-là, parce que c'est un coin tout au bout de ma terrasse, un petit peu abandonné. Donc là, je vais vous montrer sur une toute petite zone pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc j'ai coupé les herbes et je les ai laissées en place. Alors pour les pommes de terre qui sont assez grosses, c'est pas le cas ici, mais c'était juste pour vous montrer parce que j'en ai pas des grosses. Vous pouvez les couper en deux à condition qu'il y ait des germes sur les deux parties que vous aurez coupées, sur les deux parties de la pomme de terre. Voilà, donc je sais que certains le font systématiquement, moi pas, mais bon je vous le montre parce qu'on peut le faire. Donc ensuite, les pommes de terre, je vais tout simplement les déposer sur le sol. Alors là, comme il y a une épaisse couche de déchets végétaux au sol, je les enfonce un petit peu pour qu'elles soient bien en contact avec le sol. Voilà, je les pose au contact du sol, mais sans les enterrer. Donc j'en mets à peu près un plant tous les 40-50 cm, plutôt 40 cm je dirais là. Voilà, donc elles sont en ligne, hein, il n'y aura pas plusieurs rangs, donc c'est pas la peine je pense de les espacer de trop. C'est pas indispensable, donc oui, il y a à peu près 40 cm entre chaque pomme de terre là. Donc ensuite il va vous falloir du terreau. Donc moi j'ai mis ça dans un seau, hein, mais c'est bien du terreau, c'est du terreau tout simple, premier prix à la jardinerie. Et sur chaque pomme de terre, on va les couvrir avec deux pelletées de terreau. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne, hein, c'est simplement pour les recouvrir, c'est tout. Et donc on fait ça ensuite sur chaque pomme de terre. Ensuite, il va vous falloir de la tonte ou de la matière verte. Hein. Ça peut être de la tonte, mais ça peut être aussi, je ne sais pas si vous avez arraché des orties ou des choses comme ça, vous pouvez les mettre aussi. Et on va recouvrir nos petites buttes avec une couche de tonte. Alors si c'est de la tonte, il ne faut pas que ce soit une couche trop épaisse, parce que vous le savez, la tonte, ça a tendance à chauffer quand ça se décompose. Il ne faudrait pas non plus aller cramer nos germes de pommes de terre. Et aussi parce que s'il y en a une couche trop épaisse, la tonte, ça finit par faire une espèce de croûte et il ne faudrait pas que ça empêche les germes de trouver le chemin vers la surface en fait. Donc on fait ça sur chaque pomme de terre, hein, encore. Voilà. Et donc ensuite, moi je vais utiliser de la paille, mais ça peut être ce que vous avez, des feuilles mortes ou... Je crois que certains mettent du BRF aussi. Voilà, donc moi je suis allée chercher une botte de paille pour repailler mon jardin parce que vous avez vu que ça en avait grandement besoin. Et donc du coup j'en ai. Donc voilà, je vais mettre une bonne couche de paille. Alors on en met quand même assez épais. Je vais faire ça... Je l'ai fait hors cam parce que tenir la caméra d'une main et pailler de l'autre, c'est pas évident. Voilà, donc j'en mets quand même une couche assez épaisse parce que il faudrait pas que les herbes qu'il y a en dessous repoussent à travers. Vous inquiétez pas, les pommes de terre, c'est des plantes résistantes, elles vont trouver leur chemin. Et voilà, ça y est, toute ma zone. Donc j'ai longé mon grillage, j'ai fait une forme de U et il y en a tout le long. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura intéressé. En tout cas, moi je vous souhaite plein de bonnes choses au jardin et je vous dis à bientôt.